Vous avez vu ce geste ? À la Jeune Chambre économique de la Martinique, nous avons depuis longtemps sensibilisé aussi bien l'ensemble de nos membres que la population martiniquaise au tri sélectif. Si à la Jeune Chambre, nous avons différentes actions aussi bien en matière économique qu'environnementale, nous tenons en tous les cas à préserver notre environnement. Puis informer le peuple, la jeunesse là, monsieur, puis averti que bon, pas manger n'importe quoi, côté pour dire à sortir, puis bon, qui sait qu'il a fait organiser aussi. C'est local, comme ça vient de notre pays, c'est mieux que d'acheter des produits non recyclables et puis on jette dans la nature, ça dégode la nature, c'est mieux. Mais ce qui fait peur en disant consommer local, c'est que le coût est supérieur à ce qu'on consomme d'habitude. Et c'est ça qui est dommage. Le saviez-vous? Le Dédétlon a vu le jour en avril 2007 sur une initiative originale de la Jeune Chambre économique de Saint-Denis-de-la-Réunion. Au-delà des définitions que nous connaissons sur le triptyque et sur les définitions des économies durables, pour moi, c'est vraiment une façon libre de consommer, de recycler, de trier et une fois le choix de porter un petit peu de style d'emploi. En 2008, le Dédétlon est lauréat parmi les projets des 140 JCE locales de France et d'Outre-mer. L'édition Dédétlon 2011 en Martinique a réuni 120 participants à Saint-Pierre grâce à plus de 30 partenaires privés et publics. Tu veux passer une journée conviviale et ludique? Tu veux te mesurer aux équipes de Dédétlettes et remporter les lots? Tu veux te défaire des idées reçues sur le développement durable? Rendez-vous aux Trois-Îlets le samedi 24 novembre 2012.